rapidement appeler papa et puis maman pour garder ce devant. Je vais vous dire pourquoi. Amen. Alléluia. La parole de Dieu dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alléluia. Voilà. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Aujourd'hui, avant de rentrer dans mon thème, je crois que les actions qu'il pose font vraiment partie du thème que je vais développer ce matin. Alléluia. Je voulais rendre grâce à Dieu pour leur vie. Amen. Je rends grâce à Dieu pour leur vie. Voilà. Ils n'ont pas regardé ce qu'on appelle ça, les qualificatifs et tout ça. Nous bénissons Dieu, leurs chemins se sont croisés. Maman, Yvette était au milieu de nous. Après, papa Ngakoso l'a vu. Et puis, bon, Dieu a glorifié son nom. Ils se sont mariés. Nous tous, on a été au mariage. Alléluia. Mais nous voyons comment Dieu est en train de travailler avec eux. Amen. C'est à cause de leur fidélité. Quel que soit ce que les gens peuvent penser, quel que soit ce que les gens peuvent dire, quel que soit ce que les gens disaient, ils se sont accrochés à Jésus-Christ de Nazareth et Dieu est en train de faire de grandes choses. Amen. Donc, officiellement, ils ont pu ouvrir officiellement leur église. Alléluia. Pour que d'autres âmes soient gardées. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas ce que signifie ce que ça signifie. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça signifie. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a encore plus d'âmes qui vont être sauvées pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ils nous ont toujours soutenus, CDC. Ils ont toujours été avec nous dans les bons moments, dans les moments difficiles et tout. Mais aujourd'hui, Dieu veut les utiliser autrement. Il veut les utiliser séparément. Alléluia. Et nous devons célébrer cela. Alléluia. Voilà. Donc, l'ouverture officielle de leur église. Amen. Qui s'appelle Ministère évangélique Jésus-Christ de Guérir. Alléluia. Voilà. Je bénis le nom du Seigneur. Jésus-Christ guérit. Alléluia. Voilà. Et j'ai dit que c'est Ministry, Evangelical Ministry of Jesus Christ Heals. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus continue de guérir. Alléluia. Voilà, c'est le don que Dieu a donné à son serviteur, Papa Faustin Lagos. Amen. Donc, l'ouverture officielle, c'est le dimanche prochain. Voilà, et l'heure pour ce ministère-là, c'est de 14h à 16h. Alléluia. Voilà, ils ont pu avoir la salle. Ils vont finaliser tout à l'heure. C'est pourquoi j'ai préféré commencer. Voilà. J'ai préféré commencer en introduisant cela parce qu'ils doivent aller pour finaliser certaines choses. Amen. Donc nous avons notre culte ici jusqu'à 13h30, parfois 14h. Mais on va voir si le dimanche prochain, tous ceux qui sont disponibles, alléluia, il faut se soutenir les uns les autres. Amen. Tous ceux qui sont disponibles, qui peuvent après l'église dimanche prochain enchaîner là-bas le 22, enchaîner là-bas pour qu'ensemble, voilà, nous aidons le serviteur de Dieu à célébrer vraiment l'œuvre que Dieu a mis entre ses mains. Amen. Amen. Voilà, je bénis Dieu. Nous allons nous lever, nous allons mettre debout et nous allons prier pour eux. Amen. Amen. Nous allons prier pour eux, nous allons prier pour leur ministère dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous allons aller prier au peuple de Dieu. Éternel Dieu tout puissant, nous bénis ton Saint-Nom pour tes serviteurs, Dieu de gloire, Dieu de fidélité. Seigneur, lorsque tu appelles, Seigneur, tu équipes, Éternel, tu as. Depuis longtemps, tu as équipé tes enfants, Seigneur. Mais c'est toi qui as permis, Père Dieu Tout-Puissant, qu'ils puissent ouvrir cette œuvre, Éternel Dieu Tout-Puissant, qui est légalisée, Père Dieu Tout-Puissant, avec tous les documents, Papa. C'est par ta grâce, Éternel Dieu Tout-Puissant. Beaucoup recherchent cela, Seigneur, mais ils ne l'ont pas encore. Mais toi, en un laps de temps, Éternel, à cause de leur fidélité, Seigneur, à cause de leur foi, Éternel Dieu Tout-Puissant, toi, tu as mis ce ministère, oui, entre les mains de tes serviteurs. Jésus, que tu les bénisses, que ce ministère décore, Seigneur, avec toi. Par toi et pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, en tant que famille, Père Dieu Tout-Puissant, nous prions, Seigneur, et nous proclamons l'avancement, oui, de ce ministère, au nom de Jésus, que les malades guérissent à travers leurs mains, au nom de Jésus, que les captifs soient délivrés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire, afin que le royaume de Satan soit dépouillé des âmes pour lesquelles tu es arrivé à la croix de Golgotha. Au nom puissant de Jésus, équipe-les, Seigneur, bénis-les, donne-leur le moyen d'éternel Dieu Tout-Puissant, et tu leur envoies les âmes que tu as perdues pour cette péché. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. J'ai vu quelqu'un et puis j'ai aperçu quelqu'un et ça me rend un peu émotive. Alléluia. Amen. Voilà, ce n'était pas prévu. Mais je vais demander à mon fils Chakir si tu peux venir. Un chef, si tu peux venir, s'il te plaît. Wow. Acclamez jusqu'à ce que la vie.
c'est juste pour donner un briefing de ce que Dieu a fait. Amen. Alléluia. Ce n'était pas prévu, je ne m'attendais pas à les voir aujourd'hui. Sois béni. Chacun qui avait été ici, c'est un ressuscité. Alléluia. Je suis au sérieux, hein, au vrai sens du mot. Alléluia. C'est un ressuscité. C'est le fils de notre soeur, maman Daniela. Alléluia. Je ne le connaissais pas, non. Mais je ne me rappelle pas l'avoir vu une fois. Alléluia. Et nous avons aussi un coup de fil un jour où maman Daniela nous a dit, elle nous a appelé et elle a dit que son fils est tombé de 40 feet. C'est-à-dire de l'étage, il est tombé sur le concrete. Amen. Il était parti. L'envoi à l'hôpital, il a été dans le coma pendant longtemps. C'est pas nous seulement qui avons prié, beaucoup de gens ont prié. Mais si sa maman a reach out aussi d'ici, c'est parce qu'on connaît le Dieu que nous servons ici à CDC. Alléluia. Ça a été un long chemin, nous avons prié sur la ligne de prière. Que ce soit les gens d'Italie qui sont connectés, je pense que chacun qui a été à côté de moi. Les gens de la Belgique, voici chacun pour lequel vous avez prié qui sont à côté de moi. Les gens partout dans le monde qui sont connectés à la ligne de prière. Et d'autres endroits, même ses frères, les amis de ses frères, nous ne sommes pas les seuls, nous ne voulons pas nous attirer la gloire. Mais je veux dire que Dieu glorifie son nom. Amen. Alléluia. Amen. Dieu glorifie son nom. Il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas parler, il ne pouvait rien. Mais il est debout ici, sans un seul os brisé. Ce n'est pas un hasard que Dieu l'a envoyé, parce qu'aujourd'hui je vais parler de la foi et les distractions de ce monde. Alléluia. Satan cherche à distraire. Mais cet enfant-là, il a un appel sur sa vie. Que tu ne veux ou pas. Amen. Amen. Je vais donner le micro à maman Daniela. Peut-être qu'elle a quelque chose à dire avant que nous le prenions comme fils. Amen. Amen. Prends le micro. Rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait depuis que Jacques a eu son accident. C'était le 9 mai, il a passé un mois en ICU, aux soins intensifs, et après un mois en réhabilitation. Mais vraiment le Seigneur s'est glorifié dans tout ce qu'il a fait. Chaque jour un peu plus, c'était des progrès, même s'il ne marchait pas, les membres ne bougeaient pas. Ils ne se rappellent même pas, et les médecins aujourd'hui, quand on va voir les spécialistes et tout, et qu'ils lisent son dossier, ils le regardent, ils n'en reviennent pas. Hey. Comment ils le voient, et lui-même, on le lui a dit, c'est tellement, en tout cas, le Seigneur, vraiment, c'est glorifié. Aucun spécialiste, ils voient son dossier, ils disent qu'ils n'en reviennent pas de le voir comme ça. Alléluia. Nous allons prier pour notre fils. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour sa maman. C'est vrai, on peut guérir, mais il y a la restauration, il faut qu'elle soit totale. Alléluia. Amen. Comme la maman l'a dit, lui-même n'est pas au courant, il ne se rappelle pas bien de ce qu'il y a. Alléluia. Amen. Voilà, mais tout ce qu'on sait, c'est devant que nous regardons. C'est la manière dont Dieu a glorifié son nom. Alléluia. Amen. Voilà, l'ennemi voulait voler son futur parce que c'est un basketteur. Alléluia. Amen. Mais Satan a échoué pour le nom puissant de Jésus. Nous allons juste dire merci au Seigneur. Alléluia. Amen. Remercions Dieu au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton fils. Merci Dieu de gloire, Dieu de fidélité. Merci pour ta grâce dans sa vie. Merci Père Dieu Tout-Puissant pour ses muscles qui sont restaurés, ses nerfs qui sont fortifiés. Merci Père Dieu Tout-Puissant pour ta fidélité et ta grâce dans la vie de chacun. Merci pour la résurrection que tu lui as fait expérimenter, Seigneur. Merci pour notre foi, Père Dieu Tout-Puissant, que tu fortifies. Merci, Père Dieu Tout-Puissant, de continuer à donner les moyens nécessaires. Oui, Père Dieu Tout-Puissant, pour que sa restauration physique comme spirituelle soit totale. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire, Dieu de compassion, mon âme te bénit. Merci pour ton fils, merci pour maman Daniela, merci pour son frère, merci pour sa famille, merci parce que tu n'as pas voulu que nous soyons encore endeuillés, éternel Dieu le roi, parce que tu nous as démontré que la vie
La vie est ce pouvoir. Tu es allé dans le tombeau et tu as vaincu la mort. Et tu as permis à notre fils de vaincre la mort parce que c'est toi qui t'as travers lui. Nous avons crié à toi au jour de la détresse, papa. Et tu as béni, tu nous as répondu, Seigneur. Et nous revenons, Seigneur, pour te dire merci en tant que congrégation. Que ton nom soit béni, Yahweh. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Merci, Jésus, pour la vie de chacune. Merci, Seigneur Tout-Puissant, pour la foi de sa maman que tu as soutenue. Au nom de Jésus, Yahweh, tu n'as pas changé. Mon âme te salue. Mon âme te magnifie. Lorsque tu commences, tu termines. Au nom de Jésus, la mort est définitivement éloignée de cet enfant. Au nom de Jésus, la vie est sans partage afin qu'il pénètre le camp de l'ennemi et qu'il arrache des âmes à Satan. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, béni sois-tu, Seigneur. Restaure le Saint-Esprit de Dieu de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Au nom de Jésus, ses nerfs, ses muscles, ses cellules, ses tissus, ses organes sont restaurés, papa. Nous te disons merci parce qu'aucun os n'a été brisé. Malgré le fait qu'il est tombé de l'étage des ténèbres, parce que tu es Dieu et tes anges l'ont enorti, papa. Au nom puissant de Jésus, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta grâce, pour nos vies, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et chacun veut dire quelque chose. Merci tout le monde qui a prié pour moi et sans vous, it would have been my French isn't too great, but without all the prayers I got from you guys and all the love, I can definitely, you know, it helped me go a long way. And God willing, He saved me and He listened to all the prayers, so I really appreciate it. Amen. Nous acclamons encore le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. La puissance de Dieu. Amen. 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 Bénissons le nom du Seigneur. N'est-ce pas Dieu merveilleux, mes frères? Alléluia. Dieu merveilleux, famille. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Ceci dit, nous avons prié pour la parole de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom, tu n'as pas changé. Dieu de gloire, Dieu de compassion, Dieu de fidélité, mon âme te bénit. Merci, le temps est venu pour ta parole. Nous t'avons rendu témoignage. Nous avons glorifié ton nom, papa. Mais il y a un temps pour toutes choses, papa. Le temps pour la parole, maintenant est arrivé. Je prie, tout ce qui est distraction est ôté du milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, viens et fais comme tu veux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi et des distractions de ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi et les distractions de ce monde. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Prêtez attention. Ce ne sera pas une longue prédication parce que nous allons prier. Amen. Nous avons des croisades en vue et nous devons aller contre les distractions qui chercheront à opposer le Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous testons dans Hébreux 11, versets 8 à 10. Hébreux 4, versets 14 à 16. Et Galates 3, versets 6 à 9. Je reprends. Hébreux 11, versets 8 à 10. Hébreux 4, versets 14 à 16, Galates 3, versets 6 à 9. Amen. Amen. Excusez-moi, je veux profiter pour dire bonne arrivée aux deux frères Naïm, alléluia. Amen. Voilà, ils sont allés au pays et ils sont de retour, de Dieu
de les avoir gardés durant leur séjour et les a ramenés sains et saufs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse à la paix de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur dans Hébreux 11, verset. Excusez-moi. Je sais, quand même vérifier quelque chose. Partagez la vidéo, hein. Dieu est en train de travailler. Le Saint-Esprit est là, je ne sais pas si vous avez senti. Amen. Partagez la vidéo, partagez les choses de Dieu. Amen. Pour lui, je vais partager la mondanité. Partagez la vidéo de la parole de Dieu. Amen. Hébreux, au chapitre 11, verset 8 à 10. Je lis la parole du Seigneur. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il venait et qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Verset 9 à 10 dit, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. 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 Je lis la parole de Dieu. On vient de lire la parole de Dieu et c'est très important ces éléments-là. C'est un texte très riche. Pendant ce temps, rappelons-nous que dans ce même chapitre-là, le premier verset nous dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Nous avons espéré, voilà, nous avons espéré la guérison et le miracle de Dieu dans la vie de notre fils Shakim pendant qu'il était dans le coma. Alléluia. Amen. Et ça a été une démonstration de ce que nous ne voyons pas. Alléluia. Amen. Dieu a permis que nous voyions cela arriver. Dieu a permis qu'il soit debout au milieu de nous. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Ça déjà, c'est déjà un exemple palpable pour solidifier la foi de quelqu'un. Alléluia. Amen. Amen. Ici, nous avons simplement ressorti trois choses. Alléluia. Si vous avez remarqué, la série que sur laquelle nous sommes, qui est la foi, nous avons différents sujets à propos de la foi. Voilà. La dernière fois, c'était la foi et la peur. Quel est ton choix? Aujourd'hui, c'est la foi et les distractions de ce monde. Alléluia. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, n'oubliez pas de repartir sur les deux premiers volets de la foi. Et c'est le même thème aussi que nous traitons pendant nos études publiques, voilà, sur le Zoom. Amen. Donc ici, nous avons ressorti trois choses. Ce ne sont pas des longues prédications. Quand on prêche sur la foi, il faut que cette foi-là soit exercée. Il faut qu'elle soit manifeste. Alléluia. Voilà. Donc, nous savons ce que c'est que la foi, mais c'est toujours bon de faire un rappel. Alléluia. Et ce rappel-là, ça remue un peu notre foi, ça remue un peu notre colère sainte, voilà, pour qu'on sache sur quel Dieu nous avons placé notre confiance. Alléluia. Amen. Et c'est un Dieu grand qui est au-dessus de toute situation. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Trois choses que nous pouvons ressortir dans ce test, voilà, pour vivre par la foi comme Abraham l'a fait. Ce n'est pas pour rien que Abraham a hérité le nom du père de la foi. Alléluia. Amen. Voilà, Abraham est le père de la foi. Alléluia. Donc ici, par exemple, il y a trois éléments qu'on peut faire ressortir. Voilà. Par rapport à le genre de foi qu'Abraham a eu. Et comment est-ce que nous pouvons marcher selon la même foi? Comment est-ce que nous pouvons copier le père de la foi? Alléluia. Voilà. C'est bon de copier, mais il ne faut pas plagier comme Satan plagie. Satan, il ne les crée pas. Voilà. Mais il vole, voilà. Et puis il essaie de déguiser ça. C'est un usurpateur. C'est un menteur. Alléluia. C'est Dieu qui crée. Alléluia. Si ton Dieu crée et que Dieu t'a fait à ton image, toi en petit, tu dois être en fait un petit créateur. C'est pourquoi Dieu veut renouveler ton intelligence, te donner la créativité pour que tu réalises des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. Donc ici, comme je disais, nous allons ressortir trois choses pour que nous puissions avoir la foi comme notre père Abraham l'a eu. Alléluia. Amen. Le premier verset ici, verset 8, dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Amen. Amen. Obéit et partit.
Alléluia. Le Seigneur a dit à Abraham, pour faire un briefing, voilà, c'est dans deux chapitres, le chapitre, de Genèse, le chapitre 12 de Genèse, et bien je peux dire aussi jusqu'au chapitre 13 de Genèse, voilà. Abraham, Dieu a demandé à Abraham de quitter là où il est, alléluia, et de partir. Donc le premier point, c'est partir, c'est comment obéir et partir. Alléluia. Amen. Amen. Donc ici, le premier mouvement, c'est qu'il faut partir, alléluia. Il faut quitter l'endroit où tu es. Amen. Et voici un peu la raison pour laquelle Dieu s'est manifesté à Abraham. Alléluia. Quand vous lisez en Genèse avant, vous allez voir que les hommes, à cause de leur technologie, à cause de leur niveau d'intelligence, sont arrivés au point d'avoir des pensées manipulées par Satan, au point où ils ont décidé de construire tout, voilà, qui va arriver jusqu'au trône de Dieu. De l'audace. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est de l'audace. Je vous dis pourquoi. Parce que si Satan même était au ciel et puis Dieu l'a précipité, c'est pas lui qui va manifester ou bien passer par les pensées des gens pour que les gens puissent construire tout. C'est-à-dire qu'il veut être élevé au niveau de Dieu. Vous comprenez? Il veut être élevé au niveau de Dieu. Donc il manipule les pensées des gens pour faire croire que lui aussi il est Dieu. Alors que c'est un menteur. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc pendant ce temps, les gens étaient rebelles, les gens n'écoutaient pas Dieu. Et c'est dans ce chaos-là, que Dieu a décidé de se manifester à Abraham. Puisque, voilà, la génération qui était là avant ça, ceux qui étaient là, ce peuple-là était un peuple rebelle, était un peuple qui faisait des choses qui étaient hors de la volonté de Dieu, qui étaient hors du plan de Dieu, qui ne voulait pas écouter le plan de Dieu, mais qui voulait établir le plan de l'homme. Alléluia. Quand Dieu a dit que c'est manifesté à Abraham, et il a dit à Abraham, quitte là où tu es et pars dans un lieu inconnu. Alléluia. Dieu connaissait là où il envoyait Abraham. Alléluia. Dieu sait où il t'envoie. Mais ce n'est pas tout le temps qu'il va te donner des directives sur là où il t'envoie. Alléluia. Parce qu'il veut travailler sur toi. Il veut travailler sur ton entourage. Il veut travailler sur ton caractère. Il veut travailler sur ta foi. Alléluia. Et c'est ainsi que Dieu a décidé, voilà, d'agir à travers Abraham, pour que Abraham puisse mener à bon port le plan de Dieu. Alléluia. Donc ici, Abraham est le père de la foi. Et le premier point que nous devons faire ressortir, c'est qu'il a obéi. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'Abraham a obéi et il est parti? Parce que ce qui était plus important pour Abraham, ce n'était pas son passé. Alléluia. Ce qui était important pour Abraham, c'était son héritage. Alléluia. Son héritage. Abraham a remarqué que son héritage est plus important que son passé. Alléluia. Parce que pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a parlé. Amen. C'est Dieu qui a parlé. Donc, ça c'est le premier point. Maintenant, le premier point, ça se fait sentir ici. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti. Pourquoi? Pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Mais vous n'avez pas été réel à ce décision dans le réel. En temps normal, si Dieu dit, maman, je m'aime. Voici, si elle avait donné le même ordre à maman Germaine, même moi, je suis la servante de Dieu ici. Parce que la parole de Dieu, c'est une paix à deux tranchants. Alléluia. Amen. Nous subissons tous la parole de Dieu, que tu sois serviteur ou bien que tu sois juste un enfant de Dieu, un chrétien. Amen. Amen. Donc, si le Seigneur dit, maman Germaine, lève-toi, va en temps normal, reste normal d'un être humain. Sois franc. Alléluia. Amen. Seigneur, tu m'envoies où? Faut me dire au moins. Où tu veux m'envoyer? Même si, même lorsque cette personne te dit, je vais te voir après, on doit parler. Il y en a, au lieu d'avoir la foi et puis attendre, qui s'inquiète. Ils vont tout autour de toi, ou bien ils vont appeler pour dire, bon moment, bon, c'est vrai, on allait parler là, tu avais dit qu'on allait parler, mais est-ce que tu peux me briefer un peu? Voilà, est-ce que tu peux me donner au moins un aperçu? Ça c'est naturel, ça fait partie du comportement d'un être humain normal. Alléluia. Amen. Voilà. Mais la foi donne sa voix au-delà de cela. Alléluia. Au-dessus de cela. Parce que la foi veut provoquer ton être. La foi veut faire ressortir ton être surnaturel. Alléluia. Amen. La foi veut faire ressortir ton être surnaturel. Alléluia. Amen. Parce que tu es fait de chair et d'esprit. Donc pour que tu agisses dans le surnaturel, il faut que ton esprit croise l'esprit de Dieu. Alléluia. Pour que tu puisses opérer dans le surnaturel.
C'est pas la sorcellerie, c'est les sorciers qui ont triché ça. Alléluia. Il y a des gens qui priaient Dieu puis qui rentraient, qui étaient en extase. Alléluia. Pierre était ravi en extase. C'est là qu'il a vu, voilà, des animaux descendre, étaient sur une nappe. C'est là qu'il a dit, bon, voilà. Le Seigneur lui a dit, prends une chose, tu les manges. Et il a osé juger pour dire, non, ça ce sont des animaux impurs. C'est que Dieu a créé. Dieu n'a pas appelé ça impur, il a dit à Pierre, il faut manger. Donc, c'est-à-dire que, ce sur quoi je veux que vous fassiez attention, c'est pas la conversation qu'il y a entre Dieu et Pierre, mais c'est le fait que Pierre était dans un état et dans des conditions où il a été ravi en extase. Alléluia. C'est ce qu'on appelle sortir de son corps. Quand on dit sortir de son corps là, c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te ravir à un niveau. Il y a trop de gens, il a ravi. Alléluia. Amen. Et ce qui est pareil, il envoyait dans une vallée où il y avait des eaux desséchées. Alléluia. Hein? C'est pas Ezekiel lui-même qui s'est levé comme ça par son corps. Non. Je peux vous citer des exemples dans la Bible. Non, ce que les sorciers font, puis ils s'envolent, qui est extraordinaire devant nous, et puis d'autres personnes ont peur des sorciers là. C'est pas nouveau. Amen. S'il sort de son corps pour s'envoler, rentre dans la présence de Dieu, rentre en prière intensive, rentre dans le jeûne pour que le Seigneur te ravive en extase pour que tu vois leur plan à l'avance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que tu puisses les démanteler. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, c'est une autre dimension de la foi. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc, je disais tout à l'heure, à partir, donc il faut qu'il obéisse. Donc c'est ce que Abraham a fait ici avant de le recevoir. Il ne savait pas où il allait. Donc en temps normal, là, un être humain normal va demander à Dieu, ah Seigneur, mais où tu m'envoies? Abraham n'a pas posé des questions. Est-ce qu'Abraham a posé des questions? Abraham n'a pas posé des questions. Il s'est levé et il a obéi. Amen. Amen. Deuxième point que nous allons faire ressortir ici pour ne pas que. Rappelez-vous que notre titre, c'est la foi et les distractions de ce monde. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas donner plus d'instructions à Abraham. Tant qu'il est dans le lieu de la distraction. Tant qu'il demeure dans le lieu de la distraction, Dieu ne va pas lui donner une autre directive plus précise. Alléluia. Là, je suis en train de parler à quelqu'un. Tant que tu vas rester avec tes amis qui boivent, tant que tu vas rester dans les palis, tant que tu vas rester dans la zone où tu es confortable, tant que tu vas rester là, hein, Dieu ne sera pas précis dans les directives dans lesquelles il veut te donner. Parce que là où tu es là, ce n'est pas son plan. Ce parmi lequel tu es là, il ne peut pas acheminer le plan de Dieu. Il ne peut pas faire aboutir le plan de Dieu. Parce que leur mentalité, c'est de mettre en pratique le plan de l'homme, comme le vaccin. C'est de mettre sur pied des plans pour distraire, des plans de distraction qui vont contre le plan de Dieu. Amen. Alléluia. C'est quelle gentillesse qui fait que tu ne peux pas laisser ton camarade, hein, qui chose qu'on appelle ça, qui n'a rien à voir, dont les plans n'ont rien à voir avec les plans de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est arrêté sur l'estrade, et puis il y a quelqu'un d'autre qui est au pied de l'estrade, si je cherche à faire monter la personne qui est en bas, et celui qui est en bas cherche à me faire descendre, quel mouvement sera le plus rapide? Mais si faire descendre, il y a la loi même de la pesanteur. Alléluia. Amen. Donc si tu es à ce niveau-là avec Dieu, et puis quelqu'un est en bas là-bas avec Satan. Mais il suffit seulement que ses propos soient négatifs et puis il te détruit. Il n'a même pas besoin de faire d'efforts. Parce que tu oses même demeurer dans son entourage. Tu oses même le laisser dans ton entourage. Alléluia. Amen. Ça, c'est la révélation pour quelqu'un. Tu dois changer son entourage. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Dieu ne pouvait pas donner ces détails-là. Tous ces détails-là, il ne pouvait pas les donner à Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit d'abord? Il dit, pars de là où tu es. Alléluia. Quitte là. Pour que je t'envoie dans le pays que je t'ai promis. Abraham est parti dans un pays, la Bible a dit ici, inconnu. Inconnu. Amen. Amen. Maintenant, quand il a fait le premier pas, quand il a obéi, c'est là que se déclenche la deuxième partie, le deuxième point. Alléluia. Le deuxième point, c'est comment vivre. Alléluia. C'est-à-dire que c'est ton comportement. Pendant que tu es en train d'aller vers le pays inconnu, ce comportement-là va te faire entrer, voilà, dans ta promesse, ou bien ça va te stagner au désert, comme le peuple d'Israël a stagné. Voilà, un chemin qui devait prendre combien de jours? Ils ont fait 40 ans. Ça devait prendre 11 jours. 40 ans. Tourner en rond. En rond. Alléluia. Amen.
n'y a pas quelqu'un qui pourrait changer la situation. Hein? Mais si les parents sont en train de tourner en rond, les enfants vont tourner en rond. Alléluia. Les enfants vont tourner en rond. Jusqu'à ce que un enfant va dire, aïe, mais papa, ici là, ça fait combien? Ça fait plus de temps que les enfants posent beaucoup de questions. Hein? La plupart du temps, les enfants, quand ils sont dans une voiture, que vous allez quelque part, ils vont demander, maman, elle n'est pas encore arrivée. Ok, papa, depuis là, elle n'arrive pas, elle n'est pas encore arrivée. Donc en temps normal là, et puis les enfants, ils observent beaucoup. Pendant que nous les focalisons sur la route, et ils viennent par la fenêtre. Donc s'ils ont dépassé un McDonald's qui a une couleur pareille, ils vont dire, aïe, maman, ici là, on est déjà passé ici, un temps normal. Amen. Mais si personne n'a branché, mes frères, si personne n'a branché pour que le peuple d'Israël passe 40 ans hein, dans le désert, ça c'est la gravité de ne pas obéir à Dieu et d'obéir à d'autres dieux. Alléluia. Quand tu n'écoutes pas Dieu, que tu es hors du plan de Dieu, lorsque tu te places hors du plan de Dieu, toute ta génération n'est pas sur le plan de Dieu. C'est par grâce que peut-être quelqu'un dans ta génération sera béni. Alléluia. Amen. Ou que si l'évangile vient vers la personne. Alléluia. Amen. Donc nous avons eu la grâce. Certains de nos parents n'étaient pas convertis, mais on a eu la grâce hein, d'entendre l'évangile. Non seulement on n'a pas entendu, mais dans la foi. C'est par la foi que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Jésus-Christ t'a sauvé par grâce. Hein? Donc ici, Abraham, c'est le second point. Après avoir obéi, il faut savoir comment marcher. Il faut savoir comment se diriger vers le territoire que Dieu a prévu pour nous. Mes frères, quelqu'un peut être dans le territoire que Dieu a prévu pour lui et puis il peut ne pas savoir que c'est dedans il est. Donc il ne va pas bénéficier des fruits de ce pays. Alléluia! Il ne va pas bénéficier des fruits de ce pays. Il faut qu'il ait le discernement. Alléluia! Il y en a qui étaient dans les difficultés au pays. Nous sommes des différents pays ici. Hein? Il y a Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, Togo, Gabon, Centrafrique, hein? Et tout. Nigeria, Américain. On est diversifié ici dans la maison du Seigneur. Burkina, alléluia. Nous sommes diversifiés. Pourquoi Dieu ne t'a pas laissé dans ton pays? Tu aurais pu avoir un avenir dans ton pays. S'il a permis que tu te retrouves ici, ce n'est pas pour que tu sois stagnant aux États-Unis. Il faut refuser ça. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour que tu sois stagnant. Ce n'est pas pour que tu demeures au même endroit. C'est dans ta normal. Dieu aurait pu te laisser là où tu étais. Alléluia. Amen. Moi, j'étais en médecine. Et puis, à un moment donné, je travaille à l'aéroport. À l'aéroport. Dieu pourrait me laisser là-bas. Mais c'est parce que il voulait me faire mère hein, d'une congrégation qu'il a mis sous ma couverture. Alléluia. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est important. Maintenant, comment être dans le pays hein, que Dieu a prévu pour toi et puis bénéficier de ces prix-là? C'est ce qu'on a eu le deuxième point. Comment marcher dans la promesse? Alléluia. Verset 9 dit, c'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise. Vous entendez? Puisqu'il ne savait au départ, il n'a même pas connu là où était la terre promise. Dieu ne lui a pas dit d'abord, alléluia. Amen. Maintenant, verset 9 dit, c'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Alléluia. Amen. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça là c'est profond. Hein? Hein? La parole de Dieu pouvait dire Isaac est venu là, il a stagné. Mais il a ajouté hein, ses fils. Alléluia. C'est-à-dire que le fait que Dieu t'a dépensé, puis il t'a envoyé ici, il t'a envoyé en Italie, il t'a envoyé en Belgique, il t'a envoyé sous une autre terre, il t'a enlevé dans ton pays original. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu qui t'a déplacé là, hein, c'est pas pour que tu viennes être là hein, et puis demeurer dans la pauvreté, ou bien demeurer dans la disette, ou bien avoir des difficultés, ou bien les sorciers vont s'envoler, venir te poursuivre, et puis tu es caché, tu ne peux pas te débattre. Un enfant de Dieu pour lequel Jésus-Christ a payé à la croix de Golgotha. Alléluia. Faut refuser ça.
Verset 10 dit, car il attendait la cité qui a des solides fondements. Alléluia. Amen. Tu peux stagner pendant un moment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux t'installer dans ta bénédiction sans savoir que c'est ta bénédiction. Amen. Amen. Mais c'est ton comportement, tes attitudes, ta manière d'agir. C'est ça qui va t'ouvrir les yeux pour que là où tu te trouves, Dieu va te dire que c'est là où tu as planté, c'est là où la plante de ton pied a foulé. C'est cette nation-là que je t'ai donnée en héritage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tous les enfants de CDC, tu prophétises. Tous les enfants de CDC auront les papiers dans les différentes nations dans lesquelles ils se trouvent. Recevez vos papiers. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Car il attendait la cité qui avait solide fondement. C'est dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Amen. Ce qui nous entraîne dans notre troisième point, c'est d'avoir les yeux fixés sur Dieu. Alléluia. Amen. D'avoir les yeux fixés sur le potier. Alléluia. Amen. Tu es vase entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Tu es vase entre les mains du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit travaille. Amen. Amen. Il faut que ta manière de marcher, lorsque tu marches, ne t'occupe pas de là où tes pieds sont. Parce que là où tes pieds sont là, le Seigneur t'a déjà donné ça en héritage. Maintenant, il ne suffit pas que tes pieds soient là. Il ne suffit pas que tes pieds soient sur ce territoire-là. Hein? Mais il faut que tu bénéficies des fruits de ce territoire que Dieu t'a donné. Il faut que tu bénéficies de tes promesses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi que tu peux le faire. Et ne laisse pas ta foi être enterrée par les distractions. Alléluia. De quelle distraction je suis en train de parler? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. La distraction des gens qui n'ont aucun plan pour leur vie. Amen. La distraction des gens qui n'ont aucun plan pour leur vie. Que tu as autour de toi. Alléluia. Vous n'avez jamais remarqué des gens? Ils sont toujours négatifs. Toujours. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, quitte là où tu es là avant que je ne continue avec toi, avant que je ne continue de te donner d'autres instructions. Si Abraham était resté là-bas, Abraham allait avoir tendance à partager ce que les instructions que Dieu lui donne là. Il allait avoir tendance à partager avec des gens. Alors que ce n'est pas tout le monde qui veut ta bénédiction. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord pour que ton étoile brille. Demandez à Joseph, il va vous dire. C'est vrai que Dieu l'a soutenu. Alléluia. Dieu a soutenu de suivre la parole de Dieu, dit tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Yeah. Mais tu peux y entrer dans ta bénédiction sans forcément passer par des tribulations et choses terribles. Vous comprenez? Tu peux demander à Dieu de te mettre dans la raccourci. Donc Dieu a préféré ne pas révéler tous les détails à Abraham. Il lui a dit quitte d'abord. Déplace-toi d'abord. Alléluia. Non, le Seigneur m'a fait ça. Il dit quitte l'esprit. Quitte le secteur, va à Baltimore. Alléluia. Amen. Mon frère, quand Dieu veut bénir, il te déplace. Amen. Là, c'est une parole pour quelqu'un. Quand Dieu veut bénir, il te déplace. Amen. Il t'a d'abord déplacé de ton pays pour t'envoyer ici. Yeah. Si tu crois que les choses sont stagnantes autour de toi, puis tu pries, tu jettes, tu payes ta vie, tu suis la parole de Dieu. Hein? Si tu es bien focalisé, tu vas voir qu'il y a quelque chose auquel tu désobéis. Alléluia. Amen. Moi, j'étais fatigué des attaques. Puis il dit au Seigneur, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux exactement? Ça lui m'a coincé. Puis il a dit, ok, voilà. Prends tes bagages et puis va à Baltimore. Avant ça, je n'étais jamais venu à Baltimore. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire là? Ça veut dire que c'était même
mort. Vous avez entendu ce que Satan a dit? Ma propre cousine, j'ai une cousine à la faire à soi, dit Léo. Tu peux mettre toi ta vie en géopathie. Mais mes neveux là, est-ce que tu es obligé de partir à Patron? Tu ne peux pas penser à eux? Vous comprenez? Pourtant, je savais que Dieu m'avait parlé. C'est pas que je ne savais pas mauvais conseil qu'elle me donnait. Vous comprenez? Mais elle n'avait pas les mêmes plans que Dieu avait pour moi. Nous n'avons pas les mêmes plans. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? Je dis bon, je vais venir au bâtiment, mais je vais quand même garder mon travail qui est là-bas. Dieu ne s'est pas arrêté là. Il dit laisse ton boulot. Je conduisais des bâtiments, j'allais au travail à 8 ans. Il dit laisse ton boulot. Je ne voulais pas écouter. Ma dirongo est tombée en panne. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Hein? Ça dit que si Dieu veut que tu parles là, il va te forcer. Il ne va pas montrer ses décès. Vous comprenez? Il ne va pas montrer ses décès. Et c'est comme ça. C'est comme ça que je suis venu à Baltimore. Mais pendant que j'étais là, je n'ai pas demandé. Ça dit, je savais que c'était pour quelque chose, mais je n'avais pas les précisions. Amen. C'est quand hein, les gourous ou bien ils nous ont malmenés dans leur fausse doctrine. On a eu la compassion de comment les âmes étaient malmenées à Baltimore à partir de certains pasteurs. Quote and quote. Ça a réveillé la compassion à nous. Amen. Alléluia. Amen. On s'est dit non. Ce sont les enfants de Dieu pour lesquels Jésus-Christ est allé à la croix. Pour lesquels Jésus-Christ est allé à la croix. Donc, qu'est-ce que je chantais de dire, mon frère? Pendant que j'étais dans le bâtiment, c'est à travers ce que j'ai traversé. Hein? C'est de ça que c'est de CLD. Amen. Alléluia. Il y a des moments où je suis assise à des endroits, puis le Saint-Esprit me dit, tu fais quoi ici? Alléluia. Amen. Satan est vaincu au nom de Jésus. Le Saint-Esprit me dit, tu fais quoi ici? Je soulève mes cris, quelques mes clans, et puis je suis parti. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans semblant. Dieu ne veut pas que tu plaises aux gens. Alléluia. Amen. Tu ne veux pas choquer ta camarade préférée. Hein, tu ne veux pas. Excusez-nous. Hein. Satan est dérangé aujourd'hui. Hein. Amen. Alléluia. Amen. Satan est dérangé parce que moi, je sens la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Donc, comme je disais, hein, le Seigneur, ta camarade préférée. Oui, tu ne veux pas la choquer. Ou bien tu veux la convertir. Tu veux convertir toi bien d'abord. Alléluia. Sois solide, on dit quoi ici? Car il attendait la cité qui a des solides fondements. Tu n'as pas fini de construire ta maison. Ta maison est bancale. Toi, tu dis, tu vas aller aider ta camarade à venir place, à créer elle son fondement. Tu n'as pas encore monté tes murs. Alléluia. Amen. Maintenant, pendant que tu vas aider ta camarade ou bien ton ami boit ses briques. Les briques qu'elle doit prendre pour faire sa fondation, là. Pendant que vous êtes assis, lui, il boit ça. Alléluia. Amen. Ta camarade dépense ses briques. L'argent que va prendre pour acheter ces briques-là. Elle dépense ça dans Gucci. Elle dépense ça dans Chanel. Elle dépense ça dans les griffes. Vous n'avez pas les mêmes habitudes. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit de ne pas aimer les bonnes choses. Mais il faut savoir à quel moment tu dois aller aider. Alléluia. Amen. Il attendait, quand il attendait la cité, qui a des solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte. Et le constructeur. Alléluia. Laisse Dieu construire ta vie. Sois focalisé sur lui. Que ta foi soit enracinée en Christ. Alléluia. Donc Abraham était des passants dans la terre comme dans une terre étrangère. Dieu ne lui a pas révélé que c'était là la terre promise. Alléluia. Abraham a vécu là d'abord comme sur une terre étrangère. Alléluia. Ça veut dire que
permis que Abraham vive dans la disette. Dieu a permis que Abraham vive sous les tentes. Dieu a permis que Abraham, parce que c'est cette terre-là qui devait lui revenir. Donc il fallait qu'il connaisse tous les rudiments de cette terre qu'il allait posséder. Alléluia. Tous les contours. Tous les secrets. Amen. Quand quelqu'un arrive ici et puis il tombe dans la richesse un coup là. Quand quelqu'un tombe dans ce qui est doux un coup là, il devient rempli de lui-même. Alléluia. Il n'est pas rempli de Jésus. Il devient rempli de lui-même. Mais si tu as fait comme ça, si tu es passé par des tribulations, avant d'arriver, avant d'avoir ce que Dieu t'a promis, tu chéris ça. Tu vis selon le témoignage. Tu n'as pas peur de dire aux gens ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Parce que tu sais d'où tu viens. Alléluia. Quand quelqu'un se pavane avec ses dollars, quand quelqu'un se pavane avec ses grosses voitures, tu regardes et puis tu ris. Parce que c'est vanité de vanité. Alléluia. Jésus revient bientôt. C'est le titre de la croisade du mois prochain. Ta richesse, c'est de gagner une âme pour Christ. Alléluia. C'est d'augmenter le décor qui sera sur ta couronne au ciel. Alléluia. Par conséquent, c'est d'éviter la distraction qui va chercher à te voler cette couronne-là. Alléluia. La foi et les distractions de ce monde. Une autre distraction dont je vais parler, c'est les gens négatifs. Alléluia. Quand je dis sont négatifs là, il ne faut pas espérer. Il y a des gens qui sont toujours pessimistes. Pessimistes, mes frères. Alléluia. Il y a des gens qui sont toujours pessimistes. Qui grandissent les choses. Ah, mon frère, vraiment, parce que c'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Je veux créer un business là. Je pense que si on fait comme ça, ça peut nous aider, voilà, à aider les nécessiteux. Qu'est-ce que tu nous dis là? Tu as fini de t'aider toi-même. Est-ce que vous voyez la négativité? La personne à qui tu as parlé? Non. Tu as fini d'arriver ici, dans ce pays là. Tu as fait combien d'années encore là? Mais nous, on a duré ici. Nous, on m'a dit ça. Quand tu vas aller à l'école, nous, que tu as trouvé ici là. Je suis parti à l'école et j'ai fini. Alléluia. Amen. 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 Toi, tu peux. Ah, tu veux créer quelque chose. Ok. Il n'y a pas de problème. Je vous donne un exemple concret. Après le décès de papa Oumou, j'ai vu qu'il y avait des petits papiers de l'église qui n'avaient pas finalisé. Ils n'avaient pas fini. Ils n'avaient pas fini les plus choses. Et je ne savais pas. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, prends sa Bible. Commence à prêcher à partir de sa Bible. Alléluia. Donc quand j'ouvre, il écrit beaucoup. Il écrit beaucoup. Quand j'ouvre sa Bible, les notes, les ceci, les cela, les trucs sont soulignés. Ça me fait ressortir certaines choses et ça me force à faire des recherches. Alléluia. Et puis, un jour, je voulais refermer la Bible. Et puis j'ai vu que la Bible s'est ouverte à un endroit et il y avait un courrier. Ce courrier-là concernait une forme qui devait remplir et donner dans un coin. Pour que les gens puissent. Donc, c'est comme si le statut de l'église devait être bancal. Il y avait un délai. Et j'ai commencé à paniquer. J'ai dit, ah, ça là, c'est pas bon. Peut-être que ça n'a pas été fait. Bon, peut-être qu'on ne se sentait pas bien. Il faut que je. J'ai pris le courrier et j'ai commencé à prier. Je n'ai pas appelé quelqu'un d'abord. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, révèle-moi les choses. Le Seigneur m'a donné exactement qui je devais appeler. Vous avez entendu? Excusez-moi. Avant de me donner exactement qui je devais appeler. Que le Seigneur me pardonne, je suis derrière la chair du Seigneur. Ça ne s'est pas passé comme ça, merci cet esprit de Dieu. Dans la panique, j'ai soulevé mon téléphone et puis j'ai appelé un ami de papa Oumou. Écoutez-moi bien. Un ami de papa, un vrai ami. Côte à côte. Mais pour moi, c'est ce que j'ai passé. Amen. Et puis je lui ai expliqué dans la panique. Quand j'ai fini de lui expliquer, il dit, ça c'est grave. Mais c'est une question de temps pour que l'église soit faite. Vous comprenez ce que j'ai dit? Je suis venu la chair du Seigneur. Il dit c'est une question de temps pour que l'église soit faite. J'ai dit bon, je ne t'ai pas appelé pour ça. Je t'ai demandé est-ce que tu connais comment je peux accéder ou bien s'il y a un numéro de.
t'envoie. Je vais chercher le numéro là. Et puis je vais t'envoyer ça. Je dis, bon, je t'appelle quand? Il dit, je t'appelle à tel. Et je t'appelle. Ou bien, je vais te rappeler. Mes frères, je ne l'ai plus entendu. Vous comprenez ce que je t'ai dit? La Dieu a des visions. Alléluia. La tristesse a failli me gagner. Et puis c'est là maintenant que j'ai commencé à prier. Est-ce que vous voyez la différence? C'est pour ça qu'il fallait que je corrige. J'ai réagi d'abord dans la chair. Puis je suis rentré en prière. Puis j'ai prié. C'est pendant la prière. L'Esprit de Dieu m'a dit, appelle ton fils là, le mari de Raïssa. Appelle-le dans mon oreille. Puis j'ai soulevé mon téléphone. Puis je l'ai appelé. J'ai dit, fils, voici ce que je veux. Il dit, oh maman, ça c'est un petit problème. Est-ce que vous voyez la différence des deux réponses? Alléluia. Il dit, maman, ça c'est un petit. Il dit, ça c'est un petit problème, c'est juste la papérasse. Hein. Et que d'ailleurs, papa m'avait remis les papiers là. C'est moi qui devais m'occuper de ça. Tu te rappelles, je t'avais dit que quand tout va finir, quand papa va finir, toi et moi, on va se rencontrer. C'était à cause de ça. J'ai dit, de quel papier tu parles? Il dit, tous les documents de l'église qui devaient être renouvelés, parce qu'on renouvelle chaque année. Est-ce que vous voyez ce que Dieu fait? Alléluia. C'est comme ça, par la grâce de Dieu. Réunion sur réunion. Maman Raïssa, que Dieu te bénisse. Amen. Avec ton fils. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est grâce à eux. Alléluia. Papérasse sur papérasse. Rentrez sur cela. Nous sommes des enfants de Dieu. Hein? Donc dit, les portes, les ténèbres ne préviendront point devant les portes de mon église. Alléluia. Alléluia. Tout est rentré dans l'ordre. Ça dit, quand j'ai parlé à mon fils là, il m'a galvanisé. Il dit, mais maman, c'est simple. Il faut que, attends, je vais trouver le numéro. Et puis, on va faire ceci, on va faire cela. Et d'ailleurs, si ce n'était pas parce que c'est toi-même qui devais parler, moi, j'allais les appeler. Mais voici le numéro. J'ai dit, mais le numéro, il dit, maman, prends les papiers de l'église. Il dit, prends les papiers de l'église. Et puis, il dit, regarde en bas. Tu as vu le numéro là, pas, il faut appeler. J'ai dit, non, je vais appeler. Et quand j'ai appelé, j'ai parlé à la dame, j'ai expliqué la situation. Elle dit, non, c'est rien de grave, il faut payer tel montant. Mais vous voulez toujours que l'église continue. J'ai dit, oui, l'église n'appartenait pas au serviteur. C'est l'église de Dieu, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu l'a rappelé, mais l'église continue. Amen. La femme a présenté ses condoléances et puis elle dit, I agree with that. Amen. 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 Et tous les papiers sur les instructions, les trucs, vous savez, Dieu bénit certaines personnes avec des talents. Je bénis le Seigneur pour les talents qu'il a mis à mon fils Apollinaire. Alléluia. Amen. Et sa femme, ils étaient sur pied, jour et nuit. Communication sur communication, email sur email. Les gens répondent, il y a quel truc qui manque, ainsi de suite. Jusqu'à ce que tout soit rentré dans l'ordre. J'ai dit à Satan que tout est rentré dans l'ordre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui parle de la négativité dans tes oreilles? À qui tu te confies? Est-ce qu'Abraham a parlé à quelqu'un avant de partir? Mon dernier point, il faut que tes yeux soient focalisés sur Christ. Car il attendait la cité qui de son lit. Dieu fait exprès pour retarder certaines choses. Parce qu'il veut enlever les mauvais grains dans ton entourage. Alléluia. Amen. Il veut t'apprendre à vivre dans la disette. Il veut t'apprendre à vivre dans la richesse. Et puis ça ne va pas influencer ta relation avec Dieu. Amen. Il y en a qui sont bénis de quelques miettes, qui ont les diplômes, et puis qui disparaissent de l'église. Qui ont fiancé et puis qui disparaissent de l'église. C'est fiancé seulement, hein? Alléluia. Amen. Ben. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, je suis en train de te dire qu'il faut être solide dans la foi. Hein? Parce que Dieu a décidé de porter le plan d'Abraham à bon port. Yes. Alléluia. Amen. 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 Donc, la distraction. Dieu veut que tu partes du lieu qui t'est familier. Alléluia. Amen. Du lieu avec où il y avait des mauvaises habitudes. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu lui fasses confiance avant qu'il ne te révèle. Où il veut t'envoyer exactement. Alléluia. Sinon, tu risques de trop parler. Tu es en train de chercher.
déjà acheté ta maison. Tu n'as même pas encore réussi à prouver les rêves. Tu es là, tu veux, perroquet n'a rien fait. Alléluia. Sois discret. Écoute Dieu dans chaque pas. Amen. Dans chaque mouvement. La mondanité. Laisse la mondanité. Un pied dedans, un pied dehors. Tue la foi. Alléluia. Le péché, la fornication, la distraction de la fornication, la distraction de Papatoya, Congosa. Amen. Hein? Comment on dit au Cameroun? Congosa au Cameroun, hein? Quel Congo, tu vois? C'est même chose au Congosa. Ah, songi, songi. Ah, d'accord. Faut quitter la songi, songi. Faut quitter la Congosa. On dit que, il a dit que, est-ce que tu étais là-bas? Amen. Ça tue la foi. C'est la distraction qui va venir contre ta foi. Il y a une émission sur Facebook là, et que ça me fatigue, cette émission-là. Je ne peux pas espérer que Dieu me délivre ça. C'est-à-dire que je me moque de ça. Mais en même temps, c'est comme si, quand je vois là, je ne peux pas te passer. Et un gars qu'on appelle, je ne sais pas si c'est Tony ou qu'est-ce Tony. Bonjour, bonjour. Ceux qui ont raté le buzz de la journée. Mes frères, il faut qu'on crée une émission qui va dire. Bonjour, bonjour. Ceux qui ont raté le verset de la journée. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu bien créatif comme ça. Amen. Amen. Quand je regarde les views, je suis dépassé. On rit, mais vraiment, Satan est sneaky. Si Dieu peut donner ce genre de créativité-là, pourquoi les enfants de Dieu ne peuvent pas créer ce genre de choses-là? Pour rendre les gens, hein, pour contaminer les gens avec la parole de Dieu. Il faut être important des bonnes nouvelles. Il faut bâtir ta couronne au ciel. Amen. La distraction de la boisson. Tu es chrétien. Tu ne peux pas te détacher de la boisson. Alors que Dieu dit, soyez sombre. Veillez et priez. Le diable, votre ennemi, rôde. Il attend la moindre occasion pour chercher qui quoi? Qui dévorer. Mais on est dans les habitudes passagères. Et puis on est confortable avec. Que le Seigneur nous soutienne, mes frères. Amen. La distraction de l'orgueil. Dieu élève ceux qui sont humbles. Ça veut dire que tu marches même. On se demande même sur quoi tu comptes. Alléluia. Sur quoi tu comptes? Dès que tu commences à parler, au lieu de parler de ton Jésus, c'est un diplôme. Ceux qui ont les grands diplômes là, les vrais riches là, hein, on ne les entend pas. Parfois ils sont en tapette. Vous avez compris? Hein? Quand ils gardent leur voiture là, vous avez déjà vu deux riches faire par là? C'est pas comme ça. Ou bien faire compétition de baisse. Les vrais riches là, hein? C'est dans les restaurants, ils se croisent pour signer des dossiers sérieux. Ils gardent leur voiture même là, tu ne sais même pas qui ils sont. Alléluia. La distraction, c'est-à-dire que, hein, la distraction de demeurer parmi les rebelles. Qu'est-ce que ça veut dire les rebelles spirituels? Hein? Les rebelles. Toi, tu vas voir dans l'église là. Tu continues d'aller là-bas? Ça, c'est les rebelles. Alléluia. C'est les rebelles. C'est parmi les rebelles qu'Abraham était. Et il voulait construire une tour pour aller jusqu'à Dieu, c'est la rébellion. Hein? Les rebelles que vous voyez dans nos pays africains, là, c'est pas aujourd'hui, c'est né. Hein? Ça s'est construit dans la pensée. Tout ce que vous voyez en ce moment en Afrique, là, ça a été manigancé il y a des longtemps. Amen. C'est parce que maintenant les pensées, hein, sont en train d'être implémentées. Et les enfants de Dieu,
ceux qui veulent défier Dieu. La distraction est des anciennes habitudes. Non, chez nous, là, c'est, voici comment on fait. Chez toi, où? On dit que tu es cohérité avec Christ. Chez toi, là, c'est où? Alléluia! Amen. Ok. Dans notre tribu, là, bon, on nous a dit comment on a qu'à mettre quand même les gris-gris là un peu, parce que c'est la coutume. Mes frères, j'ai oublié de vous dire. Ça, ça n'engage que moi. Hein. À mon mariage, il y a des gens qui m'ont contacté. Ils disent, le deuxième jour de ton mariage, là, comme tout le monde fait là, hein, il faut t'habiller en traditionnel. Alléluia. Mes frères, on n'a pas les mêmes démons. Nous ne sommes pas de la même famille. Le diable nous connaît. Alléluia. Vous comprenez? Quelque chose qui est simple, une tenue qui est simple, qu'on peut mettre à quelqu'un pour que ce soit joli. Moi là, le diable peut infiltrer quelque chose dans la tenue là. Dans les bijoux qu'on met dessus là. Il peut infiltrer là. C'est vrai, tout se sanctifie. Même l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je ne sais même pas d'où c'est sorti. Il y a des mamans de l'église qui sont portées volontaires pour m'habiller. Eux-mêmes, ils vont mettre les choses là sur moi. Je n'étais même pas encore prophétesse. Aïe. Saint-Esprit dit, si tu t'es trompé pour que quelqu'un mette la main sur toi, pour mettre les habits dont tu, où tu ne sais pas d'où ça vient, les gens louent. Gentiment, par sagesse, je ne sais pas comment réveiller, maman. J'ai un boubou là, je préfère porter ça. On dit non, mais quand même, il faut que le boubou quand même soit bien. Parce que je ne veux pas. Il faut que le boubou soit bien, comme ce que non, ma fille a porté là-bas. Il faut que le boubou quand même soit bien. Je dis qu'il n'y a pas de bon. Je dis bon, dans ce cas, ils ont tout fait pour que j'ai un boubou. Quand elles m'ont donné le boubou, elles m'ont donné ça cadeau. Écoutez-moi. Hein. Elles m'ont donné le boubou comme cadeau. J'ai sanctifié le boubou, j'ai porté. Papa, vous m'avez refusé de prendre cadeau de quelqu'un. Parfois, c'est laisser intimider par quelqu'un qui est plus grand que toi. Ou bien pour une maman, ou bien une soeur. Faut pas faire plaisir à quelqu'un. Amen. Je suis en train de parler des dents église. Amen. Alléluia. Amen. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, prie dessus. Puis j'ai prié. Puis j'ai porté. 2 mois après, j'ai reçu un coup de fil. L'argent de Boubou là, tu n'as pas encore donné. Vous avez compris ce que ça veut dire. Hein? L'argent du Boubou, je n'ai pas encore donné. Ça dit, pour que je pêche, pour que la porte s'ouvre, puisque l'habit traditionnel n'est pas venu sur moi. Donc il faut me provoquer pour que je fasse une porte d'ouverture dans mon mariage, pour que je m'énerve. Je demandais ce qu'on dit. On dit. Puis j'envoyais l'argent. Dès que j'envoyais l'argent, j'ai prié sur le boubou. J'ai fait cadeau. J'ai envoyé le boubou dans l'Afrique. Ben, je ne veux pas voir pour ne pas que ça irrite. Ça dit que pour ne pas que ça mérite. Je suis en train de parler de ta église. Hein. Je suis en train de parler des païens. Alléluia. Amen. Il y a sorcellerie déguisée dans l'église. Alléluia. Il faut que ta foi soit solide. C'est ce que je t'ai dit. Et il faut éviter les distractions qui vont t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction. Amen. Il faut être patient. L'impatience est une distraction. Amen. Amen. Abraham est resté là, il a vécu ses enfants dans la tente. Le peuple d'Israël est rentré dans la terre promise, ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Abraham a appelé le père de la foi, mais il n'a pas appelé le père de la foi. Hein? Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce qu'il y a comme distraction dans ta vie. Pour que ta foi soit solide. Pour que tu avances avec le plan de Dieu dans ta vie. Pour que l'échec qui est devant toi, faut que tes yeux soient fixés sur Jésus. Il faut apprendre à lui obéir. Et il faut apprendre à quitter l'endroit où tu es en ce moment-là. En ce moment, il y a quelque chose qui te retient. Alléluia. Sinon, tu ne peux pas gagner d'âme. Amen. Si tu ne quittes pas où tu es là, si tu ne quittes pas dans le péché qui te tient en captivité, si tu ne quittes pas dans la masturbation, mais de qui tu blagues? Amen. Amen. Si tu ne quittes pas dans jalousie,
Jalousie, ta soeur s'est mariée. Ton cœur fait bizarre. Toi-même, tu ne comprends pas. Amen. Abraham était patient. Sois patient. Et ton tour viendra. Pour que les œuvres de Dieu soient manifestes au temps opportun. Amen. C'est devenu pour prier. Croisade au tournant. Tout ce que je voulais dire, c'est que la distraction, les personnes négatives, le pessimisme, et tout ça quitte ta vie. Mais toi-même, là, les péchés bizarres auxquels tu t'accroches, hein? Les choses qu'on appelle ça, ton intellect, à cause de tes diplômes, on ne peut pas te raisonner. Tu as des difficultés à avaler la parole de Dieu totalement. Tellement ton raisonnement, ça dit que ce n'est plus la volonté de Dieu. Hein? Ce n'est plus la volonté de Dieu que tu recherches. C'est ce que tu dois prendre toi dans ta volonté pour compléter à la volonté de Dieu. Dieu te regarde. Hein? Alléluia. Amen. On va prier maintenant. Alléluia. Amen. Dieu veut faire quelque chose de merveilleux avec toi. Alléluia. Amen. Tu es un descendant d'Abraham. Amen. Ton aïeux est appelé le père de la foi. Amen. Alléluia. Amen. La croisade du mois prochain, c'est avec la foi. Alléluia. Amen. Il a dit, vous en avez le pouvoir. Amen. Amen. C'est avec la foi que nous allons aller à cette croisade-là. Yes. C'est à cause de ça qu'on a dit les instruments ne bougent pas. Et les instrumentistes, les pianistes, les chanteurs, chacun va devenir évangéliste. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun a un évangéliste en lui. En plus, votre père spirituel a été un évangéliste. Amen. Vous savez combien d'importance il accorde aux croisades. On n'a pas peur d'investir pour les croisades. Amen. Parce que quand papa, quand on parle là, ça qu'on avance le contact de l'église, de Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu pour ça. Vous allez évangéliser. Nous avons exactement un mois. C'est le 19 septembre. Alléluia. Vous n'aurez pas à transporter d'instruments ou quoi que ce soit. Amen. Nous allons trouver les instruments là-bas. Nous allons quitter en les laissant là-bas. Parce que notre point, c'est d'attraper la main d'une brebis pour laquelle Jésus-Christ allait à la croix de Golgotha et l'envoyer pour lui dire « Jésus revient bientôt. » Il ne t'a pas envoyé à ce niveau-là pour que tu vives dans la misère. Amen. Pour que tu puisses rentrer dans tes bénédictions. « Il revient bientôt » ne veut pas dire qu'il faut vivre une chose qu'on appelle ça malheureux, non? Pendant qu'il revient, là, hein, il faut que tu sois quand même dans des conditions pour que les gens cherchent à connaître ton Jésus. Ou bien Amen. Que les gens te regardent et puis disent, on sent la gloire de Dieu sur celle-là. Alléluia. Alléluia. Ils ont vu le Jésus à toi. À cause de la lumière de Dieu. Mais cette lumière est transportée par la compassion des hommes. C'est lorsque tu le plus d'hommes tu gagnes, le plus la lumière de Dieu descend sur toi. Amen. Pour la seule gloire de son nom. Amen. Triomphe du péché. Alléluia. Amen. Triomphant du péché. Nous allons prier, mon frère. Tu vas prier un seul sujet de prière. Que la foi que tu as aujourd'hui, après avoir entendu la parole de Dieu, nous étions sur la série. Nous allons clôturer cette série-là le dimanche prochain. C'est une manière de te réveiller. Que tu aies une colère sainte. Que ta bouche ne se ferme pas. Parce que tu veux expérimenter la gloire de Dieu sur la terre et dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Élève la voix et prie. Toi qui es en ligne, toi qui es connecté à nous, n'oublie pas de marquer à partir de quel pays. Mais il faut que tu pries. Le Saint-Esprit est omniprésent. Alléluia. Il a dit là où deux ou trois sont assemblés, il est présent au milieu d'eux. S'il s'accorde, demande quelque chose au Père en son nom, le Père va le lui accorder. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accordons-nous, mes frères. Et devant la voix et prions. Prie. Toi-même, tu sauras comment tu vas diriger cette prière-là pour que tu puisses gagner une âme. Si tu n'as pas le temps de gagner les âmes, ta poche, tu peux apporter du bois. Parce que l'évangile de Christ, là, c'est pas avec ta nuit, on fait ça. Alléluia. Amen. Tu peux participer. Amen. Amen. Tu peux inviter des gens en ligne. Même si peut-être tu es bloqué au travail. Et puis bloqué au travail. On va activer ta foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Active ta foi. Amen. Demande offre dans la foi. Amen. Pendant que nous prions, le vendredi dernier, vendredi avant-hier, je me suis levé pour le travail. Et puis le Saint-Esprit dit, tu ne bouges pas. Il dit, oui, tu ne bouges pas. Dis-tu, on a un moment.
Je veux que tu pries contre la distraction parce que je vais envoyer CBC à un autre niveau. Je le dis ouvertement, ce n'est pas de l'audace. Hein. Je m'en fiche des quatre puissances des ténèbres veut se lever comme ça. Ce n'est pas l'église de la prophétesse Oulu. C'est l'église de Dieu. Notre fondement est Jésus-Christ de Nazareth. Notre rocher est Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit, Dieu dit, il va envoyer cette église à un autre niveau. Amen. Et il va envoyer dans l'église. Il va demander de pousser les murs. Alléluia. Alléluia. Il y a la moitié à l'église ici depuis matin. Il m'a dit de sortir d'ici à 3h33. Alléluia. Amen. Vendredi, je parle de travail. Il me dira quand je vais arrêter mes jeunes. Alléluia. Amen. Un moment donné, il m'a dit, prie pour chaque personne sous ta couverture. J'ai dit, Saint-Esprit, tu me rappelles les noms. Je commençais par les responsables. Dieu entend vos prières. C'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un. C'est pourquoi il a mis un frein à mon programme en tant que PG de son œuvre. Amen. Pour venir intercéder pour ses enfants. Alléluia. Amen. C'est là que je m'arrête. Le reste, je ne peux pas dire. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a les faux marmailleurs qui sont focalisés sur les médias des CDC. Sur les... Ils pensent que nous sommes remplis de nous-mêmes. Non! Je connais le Dieu que je sers. Alléluia! Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui dit, si tu as une foi aussi petite, un grain de s'élever, dis à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer, et elle le fera. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous en avons élevé la voix. Tu vas prier pour que ta foi déplace les montagnes. Que ta foi passe d'une foi passive à une foi active. Nous devons rentrer en action pour l'avancement du royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il revient bientôt. Le thème, c'est Jésus revient bientôt. Alléluia. Et il revient. Alléluia. Élevons la voix. Prions. Prie du fond de ton cœur. Dis à Dieu de toucher ta bouche. Dis à Dieu de te donner une âme pour lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brosatra brakasha. Remakasatra. Bariabasoto. Roboko shire. Rekre shatra brakasha. Ishori, ishori. Bro. Romakashire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, soutiens-nous dans la foi, Seigneur. Donne-nous d'avancer, papa. Donne-nous de pousser lui. Parce que ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas ta puissance. La puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Morocoro. Les murs de l'incrédulité s'écroulent ce matin. Au nom de Jésus. Les murs de la distraction s'écroulent ce matin. Au nom de Jésus. Les murs de la paresse. S'écroule ce matin, je dis au nom de Jésus, le mur de la peur s'écroule ce matin, au nom de Jésus, le mur qui représente la négativité, qui représente le pessimisme, qui représente l'ancienne nature, qui représente les anciennes amies qui n'ont pas de plan pour leur vie, mais qui veulent empêcher, qui veulent distraire les enfants de Dieu, pour ne pas qu'ils rentrent dans le plan de Dieu pour leur vie. Ce mur-là s'écroule au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Pendant mon prière, il y a un sujet qui m'est venu en tête. Amen. Soyez indulgents, donnez-moi 5 minutes. Tu vas prier pour secouer les murs qui sont autour de toi. Amen. Il y a des murs, tu sais quels murs autour de toi. Si tu ne prends pas ces murs-là par la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas être épanoui. Alléluia. Tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas faire même ce que Dieu a prévu pour toi. Les dons qui sont en toi peuvent ne même pas se manifester. Alors que la parole de Dieu a dit dans Marc, voici le miracle qui accompagnera ceux qui l'ont cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Alléluia. Aucun breuvage mortel ne va avoir effet sur eux. Alléluia. Alléluia. Les morsures des serpents n'auront aucun effet sur eux. C'est-à-dire, le vaccin, si tu n'as pas le choix, ça veut dire que le vaccin, si tu n'as pas le choix et que tu dois être vacciné, tu dois être contraint, ça ne
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le jour où je devais me vacciner, dans mon travail, tu n'as pas le choix. Alléluia. Amen. Je ne peux pas permettre à la peur de me paralyser. Je me suis imposé les mains. Je dis, Seigneur Jésus, avant que ce vaccin ne rentre dans mon corps, il est neutralisé d'avance par ton sang. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Je neutralise tout ce qui va chercher à activer de près ou de loin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fini mes deux doses, j'ai gardé mon travail et je continue de prêcher l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Il y a des murs autour de toi. Si l'Esprit de Dieu m'a dit de venir à l'église ici hier et puis de pousser les murs, je les poussais en parlant en langue. Amen. Je n'étais pas sûr que j'étais un ange de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier pour que ces murs, comme tu es là aujourd'hui, la salle a été préparée par la puissance du Saint-Esprit. Et puis, tu es venu par la foi. Tu es venu par la foi. Tu peux te retrouver ailleurs. Prie pour que les murs soient brisés. Au nom de Jésus. Parle. Ne t'occupe pas de ton voisin. C'est pas en peine de murmurer. À moins que tu as tous tes papiers. À moins que tu es déjà marié. À moins que tu n'as aucun besoin. Au nom de Jésus. Jésus, ouvre la bouche et parle. Parle au mur. Qui sont en train de faire autour de toi pour t'empêcher de venir là. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Mes frères, nous sommes en guerre. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes en guerre. Au nom de Jésus. Moshe bra 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 bra. Moro soto, robro, shakara bra makata, rebro shkitro bra brebro santa, reg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 egr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 eg
Alléluia. Venons nous asseoir dans la présence de Dieu. Nous voulons encore bénir le Seigneur pour ce message qui vient de nous d'être délivré. Ce que je reçois, c'est que nous devons abandonner les lieux de distraction et nous focaliser sur Dieu afin qu'il puisse manifester sa volonté dans notre vie. Ceci dit, c'est le moment d'apporter ce que nous avons mis de côté pour l'avancement du règne de Dieu. Souvenons-nous toujours que Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc donnons sans contrainte ni tristesse. Pendant ce temps, la chorale va donner un chant et nous allons prendre les offrandes. Ces offrandes, permettre que ces offrandes puissent contribuer à l'avancée de ton œuvre. Bénis les mains qui l'ont apporté. Bénis abondamment aussi ceux qui n'ont pas pu apporter aujourd'hui, afin qu'ils apportent prochainement. Bénis leurs poches, bénis leurs maisonniers, bénis leur travail, bénis leur famille. Seigneur, je t'ai prié. Au nom de ton seul fils. Amen. Amen.
passer la parole à maman. S'il y a des informations, elle va nous donner la teneur et prier pour la sortie. Merci. Amen. Merci, papa. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maman, est-ce que tu peux venir 2 minutes? Papa Kojo, 2 minutes, s'il te plaît. Amen. Amen. Papa Kojo. Kojo, tu peux venir, s'il te plaît. Amen. Amen. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour sa vie sur le territoire. À cause de leur fidélité, à cause de leur dévouement. Alléluia. Salut, il y a des moments où on n'est pas à l'église ici. Mais il y a des jours où ils se mettent d'accord. Pas que ça puisse arriver, t'es belle. Il y a des moments où ils se mettent d'accord. Et si vous voyez que les choses ont commencé à changer dans l'église, c'est eux-mêmes de leur propre initiative. Ils s'entendent et puis ils voient comment ils peuvent continuer d'arranger chaque chose dans l'église. Nouveau réfrigérateur, on appelle ça tout ce que les enfants utilisent de l'autre côté. Vraiment que le Seigneur les bénisse. Pour leur temps qu'ils mettent à part de Dieu. Amen. Que Dieu se souvienne d'eux. Amen. Et que l'on tende la main et qu'on prie pour que le Seigneur continue de les galvaniser. Que le Seigneur bénisse leur maison. Que le Seigneur bénisse leur famille, leurs femmes, leurs enfants. Alléluia. Amen. Bénis-moi la prière au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, voici tes enfants, voici tes serviteurs. Souviens-toi d'eux, papa. Tu connais ce qu'ils font dans ta maison. C'est vrai, tous les autres responsables travaillent, Seigneur. Mais tu connais le temps qu'ils mettent à part, l'Éternel. Hors des temps de l'église, l'Éternel Dieu mon roi. Durant la semaine, l'Éternel, les courses qu'ils effectuent par rapport aux différentes croisades, aux foulées, aux moulins, l'Éternel Dieu mon roi. Pendant que nous vaquons à tous ceux qui passent, Seigneur, tu les bénis. Tu te souviens de, tu bénis leurs femmes, tu bénis leurs enfants. Père, tu pourvois leurs besoins, que leur grenier ne manque de rien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tes anges tapent autour d'eux, ta muraille de feu les entoure, Seigneur. Toutes aux flèches de l'ennemi qui cherchera à se diriger contre eux, à cause de l'œuvre de Dieu. Retourne à l'envoyeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qu'ils soient bénis dans les champs, qu'ils soient bénis dans les villes, que les témoignages transforment leur entourage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons prier. Juste un appel par rapport au culte d'ouverture par rapport à l'église de Papa et de Maman Kosso. L'adresse a été donnée sur le WhatsApp de l'église. Le flyer a été partagé là-bas. Alléluia. Et pour les membres de CDC, n'oubliez pas aussi de commencer à partager le flyer de la veillée régulière des CDC. Va sortir, ça sort chaque 15. Ça va se programmer pour sortir chaque 15 sur la page. Alléluia. Je crois que nous sommes le 14 aujourd'hui. Donc le 15 c'est demain. Si demain, avant demain soir, vous allez voir que ça va se reprogrammer. Nous sommes le 15 aujourd'hui. C'est aujourd'hui, mais excusez-moi. C'est déjà sorti. Ok. Ok, le flyer de la veille est toujours programmé pour le 15. Donc c'est déjà sorti. Mais si vous avez remarqué, nous avons aussi fait sortir le flyer de la communication aussi fait sortir le flyer de la croisade du mois prochain. Alléluia. Amen. Voilà, ça n'empêche pas. Partagez tous les deux, tout ce que c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est deux événements différents. Alléluia. Amen. Voilà, il y a nos veillées habituelles. Et puis aussi, il y a maintenant le frère de la croisade. Amen. Le frère de la croisade est dans les deux langues, en anglais et en français. Donc, il n'y a pas d'excuse. Même les collègues peuvent être invités. Alléluia. Amen. Donc, la croisade, c'est le 19 septembre. Donc, que le Seigneur vous bénisse. C'était juste un rappel. Amen. Ceci dit, nous allons prier. On va s'élever pour vous. Tout le monde debout, s'il vous plaît. C'est que vous avez fatigué notre monde. Amen. Amen. La papa n'a qui veut 2 minutes pour dire quelque chose. Alléluia. Amen. Ça fait du bien de retrouver sa maison. Ça fait du bien de revenir du pays. Amen. Et je tenais à dire merci au nom de mon grand frère et moi. De dire merci à l'église. De dire merci à la prophétesse qui n'a pas manqué de toujours nous appeler. Et de continuer de prier pour nous. Dans le secret, elle nous a dit des choses et nous avons exécuté cela et nous sommes revenus sains et saufs. Pendant que c'est ce temps-là que les gens profitent pour envoûter les gens, et pendant le quartier, il y avait plusieurs morts. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs morts. Il y avait des gens qui sont venus depuis 37 ans de la France, qui sont allés au village remettre de l'argent. À leur retour, ils sont retrouvés morts dans leur maison. Et c'est ça le fait qu'ils sont revenus. Nous, on a vu ce monsieur-là le dimanche qui partait au village. Et quand il est revenu, 2 jours après, il est décédé. C'est-à-dire que manque de spiritualité, manque de prière et manque de confiance en Jésus-Christ.
Heureusement que nous sommes à CDC, alléluia. Heureusement que nous sommes à CDC. Et maman a continué de prier pour nous, on nous appelait. Maman, nous devons te dire vraiment merci. Et la réception. Mets-moi la photo. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier ensemble. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Merci, Père Dieu Tout-Puissant, pour notre fils Shakir. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, ta grâce, Papa. Merci, Père Dieu Tout-Puissant, parce que tu nous as soutenus. Merci pour Hilda en Italie, Seigneur, que tu as permis qu'on retrouve saint et sauve, éternel Dieu, mon roi, après qu'elle ait disparu de la maison. Merci, Dieu de gloire et de fidélité, parce que tu as dit que tes anges campent autour de ceux qui le craignent, Seigneur. Et sa parole est vérité. Que ces anges la continuent d'être autour de chacun de tes enfants pendant que nous rentrons maintenant, éternel Dieu, mon roi, au nom de Jésus. Que ton Esprit Saint lui-même soit au volant de chaque véhicule, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta muraille de feu entoure chacun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton feu, le feu de l'évangile, continue de brûler en nous, Seigneur, afin que nous rentrons dans le royaume de Satan, sans crainte, basé sur la puissance du Saint-Esprit, du pouvoir que notre Dieu nous a conféré à travers Christ à la croix. Ce qu'il a fait à la croix, il les a exposés en spectacle. Dans tous les décrets qui avaient été signés contre nous sont nuls et non avenus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit d'accident, d'incident, tout esprit de mort est refoqué, chassé dans la vie arrive. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que ta faveur, ta grâce attache à tes enfants, à chacune de leurs activités. Seigneur, pendant que les enfants vont reprendre l'école bientôt, ou d'autres même ont déjà repris, que tes anges soient autour de l'éternel. Que ton sang les couvre, l'éternel Dieu, mon roi. Qu'ils ne se retrouvent jamais au mauvais endroit, au mauvais moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous avons la pensée de leurs professeurs, de tous ceux qui vont les enseigner, les enseignants. Nous avons leur pensée captive à l'obéissance de Christ, qui est non seulement à nos enfants, mais qui est en nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes paroles négatives, révoquées, annulées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit à la tête et non à la queue, au nom de Jésus. Tout esprit de contagion, révoqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Ô Père, fais de nous des pécheurs d'hommes. Prends-nous d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Au nom de Jésus. Quelqu'un reçoit ses papiers avant la fin de cette semaine. Amen. Merci, Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et se salue au nom de Jésus. Amen.